on espère que vous allez bien. Oh, à l'approche de l'été, on peut aller que bien. C'est vrai que l'été, c'est super chouette, mais je ne me passerai pas de l'hiver et du ski non plus. Le mois de juin est plutôt festif pour nous. Oui, beaucoup d'anniversaires, dont le tien et le mien. Et la fête des pères aussi. Il va falloir une belle recette pour fêter tout ça. Découvrons l'ensemble avec le jeu de la semaine. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour la dacquoise, il faudra 20 g de farine, 40 g de cacao en poudre, 160 g d'amandes en poudre, 180 g de sucre glace et 6 blancs d'œufs. Dans un cul de poule, je mélange la farine, le cacao et les amandes en poudre. J'insère le fouet dans le bol et monte les blancs en neige 3 minutes, vitesse 3,5. Au bout d'une minute de marche, j'ajoute le sucre en pluie par l'orifice. J'incorpore délicatement les blancs au mélange, farine, cacao, amande. J'huile et prépare mon moule selon la lettre ou le chiffre choisi. Je verse la moitié de la préparation. Il s'agit d'un number cake ou letter cake. Si tu n'as pas le moule spécifique, dessine la forme choisie sous la feuille de papier cuisson et poche la dacquoise selon cette forme. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Une fois refroidi, je démoule sur un linge humide. Je recommence avec l'autre moitié. Pour la chantilly, il faudra 300 g de crème fleurette spéciale chantilly, 200 g de mascarpone, 4 cuillères à café d'extrait de vanille, 6 cuillères à café de sucre glace, 4 cuillères à café de cacao en poudre et des décorations au choix. Pour réussir une chantilly, place ton bol et les crèmes environ 10 minutes avant au congèle. Dans le bol, j'insère le fouet et mets la crème fleurette et la crème mascarpone. Je fouette à la vitesse 3,5 jusqu'à ce que la crème monte. Attention, ça peut aller très vite. Je sépare la chantilly en deux. Dans une des parties, j'ajoute 3 cuillères à café de sucre glace et l'extrait de vanille. Dans l'autre, j'ajoute les 3 cuillères à café de sucre glace restant et le cacao. Sur l'une des dacquoises, je poche harmonieusement et équitablement les deux chantillies.
Je pose la deuxième dacquoise et poche le reste de chantilly. Oh, ce gâteau est vraiment beau et très savoureux. Oui, très festif et délicat. Nous avons choisi la lettre O comme dans O délice, mais vous pouvez faire la première lettre du prénom de la personne pour qui il est destiné. Ou encore le chiffre de son âge. Exact. Bon allez, c'est l'heure de la dégustation. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.